La séance du jour. Débuté dans l'après-midi de ce mercredi avec 382 députés, y compris ceux du Front commun pour le Congo, le regroupement de Joseph Kabila. Mais le premier ministre contre lequel la motion a été initiée ne s'est pas présenté à l'hémicycle. Sylvestre Ilunga a plutôt transmis au bureau d'âge de l'Assemblée nationale une correspondance dans laquelle il juge la motion de censure des manœuvres politiciennes sans fondement factuel et au mépris des exigences de l'état de droit. Une démarche non appréciée par l'Assemblée. La plénière est compétente. Le membre du gouvernement qui sont invités à se présenter devant même son Excellence Monsieur le Premier ministre, ne vient pas répondre au bureau d'âge. Il vient répondre à l'Assemblée nationale, à la plénière qui l'a investi. Le bureau n'a pas investi le gouvernement, c'est la plénière. Le bureau a ainsi autorisé l'examen des motions. Ses initiateurs et signataires se sont succédés au perchoir pour exposer les griefs mis à la charge du Premier ministre. Ils ont reproché au gouvernement Sylvestre Ilunga d'avoir failli sur tous les plans. Ça n'est suivi le vote des motions. Vous laissez donc suivre 23, les décomptes du 24, nombre de bulletins de vote. 25, 26, 27, 28, 30. Après près d'une heure de vote, les députés sont passés au dépouillement. 283, 284, 285, 286, 287. Sur 382 députés présents, 377 ont pu voter et parmi eux, 367 députés ont voté pour, 7 contre, 2 se sont abstenus. Et un élu a glissé un bulletin nul dans l'urne. Ces résultats consacrent donc la déchéance du gouvernement Sylvestre Ilunga. Conformément au prescrit de l'article 146, alinéa 3 de la Constitution et de l'article 214, alinéa 7 de son règlement intérieur. En application de l'article 147, alinéa 1er de la Constitution et de l'article 215, alinéa 1er du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le gouvernement du Premier ministre Ilunga Ilukamba Sylvestre est réputé démissionnaire. Le Premier ministre, s'il vous plaît, le Premier ministre est tenu de remettre la démission de son gouvernement au président de la République dans les 24 heures. Investi le 6 septembre 2019, le gouvernement Ilunga Ilungampa aura exercé près de 16 mois. Sylvestre Ilunga Ilungampa a été nommé le 20 mai 2019 sur proposition du FCC suite à l'accord de gouvernance conclu avec le CAP pour le changement cash. Les tensions répétitives au sein de la coalition ont fini par occasionner la rupture en décembre 2020 et par ricochet emporter le Premier ministre ce jour. Pour certains habitants, le
Tshisekedi a pris le pouvoir dans un contexte difficile. Il note les changements qu'il a opérés sur les plans politiques et judiciaires. De Félix Tshisekedi, d'abord, nous pouvons d'abord acclamer parce que toutes les manœuvres qui étaient de mauvaise foi ne sont plus applicables aujourd'hui parce qu'il a essayé de maîtriser d'abord l'état de droit dont il a prôné. Il a aussi essayé de stabiliser certaines personnes qui voudraient à chaque fois amener le pays là où. Seulement que il n'a pas à appuyer na il n'a pas à ville mon félicité à connu du qu'on a fatigué à bas les bébés qu'on a fanya quand même ma vol ma détournement mon pays. Par contre, d'autres s'impatientent de la réalisation des multiples promesses de Tshisekedi. Pour eux, il a beau promis, mais il lui manque de matérialiser ses bonnes intentions pour le bien-être de la nation. En tout cas, durant ces deux ans, nous les enseignants, on s'attendait à l'applicabilité de ce qu'on appelle gratuité. Mais voilà que nous sommes là, nous sommes toujours des EMI. Mais aussi les sécurités aussi. Donc c'est toujours la même chose. Mais sinon, il avait des visions là, ils sont clairs, mais il n'était pas contre. Cela dit, la plupart des habitants de Boutembo recommandent au président Tshisekedi de prioriser la paix et la sécurité à l'est du pays pour espérer garantir le bien-être de la nation au terme de son mandat. Moi, de Félix Tshisekedi, j'étais à attendre la sécurité totale du pays. Bon, je sais que je peux donner comme proposition, c'est d'aller plus loin, donc de dépasser surtout le mariage cash là, parce que c'est là où ça bloque. Félix Tshisekedi est le premier président de la République issu d'une alternance pacifique et démocratique. C'est autour de 10h que tout a commencé ici dans la cour de la mairie. À son arrivée, le gouverneur a eu droit aux honneurs de la part des éléments des forces de l'ordre. Ensuite, le chef de l'exécutif provincial a réuni différentes couches de la population représentées à plus d'une centaine, ici dans la grande salle de l'hôtel de ville. Entouré des autorités politico-militaires locales, Karlin Zanzou a entretenu la population de Boutembo sur l'importance de son adhésion dans la sécurité de la ville. Pour y arriver, le gouverneur prône notamment une collaboration civilo-militaire au vu des enjeux qui présentent la guerre à remporter. Pour non seulement partager notre philosophie de la gouvernance de proximité, mais aussi recueillir de cette même population les informations relatives aux stratégies sécuritaires et à la mobilisation de la communauté autour des FRDC, mais aussi de la police. C'est la raison pour laquelle nous avons eu de très longs échanges avec la population aujourd'hui. Et nous avons recueilli de cette même population des informations utiles et des perspectives à terme de la gouvernance
de proximité sur la sécurité communautaire, mais aussi le civisme sécuritaire et fiscal. Parce qu'on ne peut pas envisager le développement de la province s'il n'y a pas des efforts conjugués dans tous les sens. Satisfait de l'échange, la Société civile coordination de Boutembo recommande au gouvernement de sensibiliser ces éléments affectés sur le terrain des conflits à plus de sens de civisme et aussi des collaborations. Ce que nous pouvons attendre de lui, c'est peut-être aussi de sensibiliser davantage les forces affectées dans son entité pour qu'elles puissent jouer valablement leur rôle et donc essayer aussi de renforcer cette confiance qu'il peut y avoir entre les citoyens qui peuvent renseigner les services de l'ordre, à exploiter davantage les alertes qui sont données par les civils et forcément aussi évidemment, comme il l'a fait, vous sensibilisez nous à venir au secours de l'armée sous diverses formes. Ça peut être par le renseignement, comme ça peut aussi être par le soutien matériel, financier, moral, pourquoi. Le gouverneur a promis répondre à d'autres préoccupations au cours des audiences spéciales qu'il pourra accorder à quelques couches sociales lors du reste de son séjour à Boutembo. C'est de cette manière que la Difegu sensibilise la population à apporter son aide aux victimes de guerre de Bénéville et territoire. Ici au repos VGH, des sacs y sont placés pour recevoir des biens. Certains habitants se rendent compte de cette campagne et n'hésitent pas à offrir, car c'est l'OE, cette initiative concerne tout le monde. D'autres viennent avec leurs aumônes de la maison après s'être informés d'avance sur cette collecte. Ils appellent d'autres à faire de même. La Bible nous recommande d'aider les orphelins et les veuves. J'ai aussi apporté mon aumône. Il faut assister les nécessités car on ne sait jamais quand on aura besoin d'une assistance aussi. Et c'est biblique. De la manière dont nos frères souffrent, nous pouvons aussi souffrir autant et recourir à eux à notre tour. Prévu pour 2 semaines, à dater du 11 janvier dernier, cette campagne de collecte des fonds va se poursuivre jusqu'à jeudi 28 janvier. La Difegu a décidé de la prolonger pour mobiliser beaucoup plus de bienfaiteurs. Attendez ça, la carte à la mouvement de la rue, on est là, on va partir à la tête.